Je ne sais pas ce qu'en pensent les blondes, mais j'imagine que ça les met en joie. Elles ont une brune qui met d'accord tout le monde, une brune qui fait rire la France aux éclats. Tout le monde fait « Oh, 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 oh !» Tout le monde fait « Ah !» C'est si bête, qui amuse beaucoup la France d'en dessous, qui a pas voté Macron. C'est si bête, qui résonne comme mon genou. Je suis d'accord avec vous, elle porte bien son nom. On ignore, même chez ses vieux amis, si elle-même, elle comprend tout ce qu'elle dit. C'est si bête, si bête qu'elle se démasque lorsqu'elle parle des masques. Oui, c'est vraiment trop con. C'est si bête, mais quand même rappelons qu'elle tient de Macron son accréditation. Est-ce qu'on se fout de ma gueule, de la vôtre? Oui, tout comme vous, je me demande pourquoi. Pourquoi Macron n'a pas pris quelqu'un d'autre? Doit bien y avoir une raison à tout ça. Tout le monde fait « Oh !» Tout le monde fait « Ah !» C'est si bête, qui parle aux confinés comme à des cons finis. Finalement, à des cons. C'est si bête, qui ment pour l'Élysée, pour pouvoir progresser dans le gang à Macron. Certains pensent qu'étant sénégalaise, elle s'embrouille avec la langue française. C'est si bête, qui a quitté Dakar pour bouffer du homard à la cour de Macron. Mais le plus bête, c'est de rêver que ça s'arrête. Pour ça, il faudrait peut-être voter avec nos têtes. Oui, mais on est bien trop bête, bien plus bête que si bête.